Coucou les scrapignous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc boîte aux lettres concours. Donc j'ai reçu par plusieurs participations, pardon. Donc c'est parti. Donc on était, donc là c'est ma quatrième donc, participation. Donc, ça nous vient de Chantal P. Donc elle m'a fait un, bon, j'ai déjà tout ouvert, hein, un tag. Donc voilà, donc sur le thème de Noël, qu'elle est venue ici embosser à froid. Donc très joli. Et donc, c'est son petit mot. Donc, je te souhaite aussi de joyeuses fêtes aussi, Chantal. Voilà. Ensuite, ici. Pardon, je ne l'avais pas ouvert. Avec un petit shaker. Ah, qu'une ATC. Deux ATC, même. Cool. Donc, voici la première. Voilà, très jolie. Donc avec un fond qu'elle a fait elle-même, un tamponnage, des perles, du masking tape. Donc le titre c'est Serre de Noël, donc par Chantal P. Elle a été faite le 29 août 2018 et c'est la 4 sur 5. Ensuite la deuxième, très jolie aussi. Voilà. Donc là, c'est Noël étoilé, le 29-018, pardon, c'est la 2 sur 3. Voilà, ils sont très très jolis. Ok, on va rejoindre ma petite collection. Donc là, c'est sa petite création, donc on va regarder après. Ensuite, ben voilà, hein, toujours des petites choses en plus à Chantal. Hein, donc c'est très gentil et très joli, je l'ai regardé. Je ne l'ai pas en plus celui-ci. Des petits anges, des mots, des tasses, des horloges, l'alphabet, celui-ci est joli aussi, des petits pois dorés, hop, des roses. Voilà, merci Chantal, celui-là je ne l'avais pas. Donc ici, elle m'a mis plein de petits tamponnages. On a du bois, des petites couronnes comme ça en petites feuilles. Des petits... Ah, c'est la collection, ouais. Chez Artemio, je crois, celle-là, si je ne me trompe pas. Je l'avais vue, elle est très jolie. Donc, merci beaucoup, Chantal. Hein. Tu me gâtes à chaque fois, c'est trop gentil. Et donc ici, on a sa petite création. J'en ai toujours petite. Oh. Très jolie. Ça, je ne l'avais pas déballée par contre. Voilà. Donc, tu es très bien dans le thème. Il n'y a aucun souci. On est bien sur le thème de Noël. On retrouve bien les 2000 abonnés. Voilà. Donc, elle a fait ça sur un cercle à broder. Donc, elle est venue mettre un fond. On retrouve des petites enamel dots. Elle a fait un petit shaker. Joyeux Noël. Hop. Et ici du tamponnage, voilà. Et ici coller les petites guirlandes en bout là, c'est très joli. Merci beaucoup beaucoup Chantal. Donc toi Chantal, tu as le numéro 4. Hop. Voilà, ensuite numéro 5, Isabelle D de Montorillon. Voilà. Hop. Donc, c'est son petit mot. Donc, toi aussi, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Hop, je vais cacher tout ça. Et donc, voilà. Donc, une petite carte comme ça. Et donc, une carte twist. Voilà. Donc, on retrouve bien les 2000 abonnés. Hop. Chaque fois, je dis, je vais en faire une. J'ai jamais fait ces cartes-là. Donc, pareil, tu es bien dans le thème. Il n'y a pas de souci. Thème de Noël. Et donc, on retrouve bien... les 2000 abonnés. Voilà. Donc, toi, Isabelle, tu as le numéro 5. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta participation. Ensuite, numéro 6. Donc, c'est, je ne me trompe pas, Karine G de Morlaix. Hop. Donc, participation pour les 2000 abonnés.
Voilà, donc elle m'a fait une très jolie carte Shaker étoile. Donc pareil, il n'y a pas de souci. On retrouve bien le thème de Noël, les 2000 abonnés. Il n'y a pas de souci, tu es bien dans le thème. Elle est très très jolie. Plein plein de petites étoiles comme ça. J'adore, j'adore. Et à l'intérieur, hop, elle m'a fait un petit tag avec les 2000 abonnés. Voilà. Donc il tient comme ça. Avec une petite étoile. Donc moi aussi, je te souhaite à toi et à toute ta famille de très joyeuses fêtes. Voilà. Donc merci beaucoup, Karine. Très très joli. Hop, donc toi, je répète, donc tu portes le numéro 6. Voilà, ça, je récupère. Hop, on fait tous du recyclage. Et enfin, la dernière participation, donc Camille L. De Toulon les Menises. Voilà, donc toi, Camille, tu as le numéro 7. Donc, il m'a très bien gâté aussi, Camille. Hop. Donc, Camille, qui a donc une chaîne YouTube, hein, Camille Scrap. Voilà. Donc, elle m'a fait une très jolie ATC. Hop. Oups, voilà. Avec un petit renard. Voilà. Très, très joli. Ici, de la pâte, on l'a recouvert de deux paillettes, des petits strass, voilà. Et il écrit quoi? Fais un vœu. Alors, le titre, c'est l'hiver. Elle a été faite le 4 décembre 2019 par Camille Scrap. Voilà. Très joli. Ensuite, elle m'a offert un petit masque. Alors ça, il faut que je fasse gaffe parce que ma fille va me le piquer. Donc, un masque litchi. Je le testerai bientôt. J'adore ces petits masques-là, ils sont très bien. Ensuite, une jolie planche de tampons. Alors, hop, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc, elle est très jolie. J'aime bien la petite botte, là, le petit bonhomme de neige. C'est très joli. Voilà. Une très jolie carte. Elle est très belle. Donc elle est venue mettre deux papiers différents, une étoile en bois, un joyeux Noël, je ne sais pas quel matcher c'est, une demi-perle, un petit nœud, des petits strass, un petit flocon. Elle est très jolie. J'aime bien le papier, elle est très beau. Alors, toi aussi, Camille, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein de bonheur. Et surtout la santé, ce que je dis toujours, la santé, c'est primordial. Donc, à toi et ta petite famille. Et bien sûr, après les fêtes, pourquoi pas faire un échange ensemble. Il n'y a pas de souci. On se recontactera. Il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Ensuite, j'ouvre celui-ci. Donc, elle m'a fait une petite pochette comme ça. Très jolie. J'aime bien le papier. Elle est venue un peu le vieillir, là. Hop. Alors, alors. Et dedans, on trouve un sucre d'orge. Merci beaucoup. Donc voilà, ici on voit, hop, Camille Scrap pour sa chaîne YouTube. Et donc elle m'a fait, elle a fait plein de tutos. Pour celles que ça intéresse, allez voir comment customiser, les petits carnets de chez Action. Donc elle en a fait plein. C'est une très bonne idée, à chaque fois je dis je vais en faire. Et j'ai pas le temps, manque de temps. Mais c'est vrai que le résultat est très très joli. Donc après le concours, il finira... à mon travail au bureau, hop, pour écrire tous les petits rendez-vous. Je te remercie beaucoup. Donc on est dans le thème, hein, on a du Noël. Donc là c'est Noël rose, très joli.
Et puis on retrouve donc bien les 2000 abonnés, il n'y a aucun souci. Et un petit coucou. Voilà, et tous des strass. Donc ça c'est bien aussi, ça serait j'en ai. Je m'en suis jamais servi. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop, voilà, donc elle fait des petites pochettes comme ça. On peut glisser des petits papiers importants hein, qu'on ne doit pas perdre. Voilà, derrière, c'est comme ceci. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Voilà. Donc, je vous remercie donc, toutes les quatre de votre participation. Ça me fait très, très plaisir. Donc, toi, Camille, je répète, tu as le numéro 7. Et par contre, après, j'ai reçu un autre courrier. Mais pour moi, ce n'est pas une participation à mon concours. Alors, ça me vient de Carole C. Je n'ai pas plus d'infos. Donc, il me souhaite de joyeuses fêtes. Donc, je pense que ce n'est pas la participation du concours parce que, bon, là, c'est bien Noël. Il n'y a pas de souci, mais je ne retrouve pas les 2000 abonnés. Donc, Carole, bah, si tu regardes la vidéo, tu me diras en message. Si c'est juste une petite carte comme ça. Et ensuite, elle m'a fait aussi une ATC. Voilà. Donc, c'est Carole C, c'est ça. De Basie. Non. Non, j'ai des bêtises. Du Havre, pardon. Et qui scrape pour le plaisir d'offrir. C'est très gentil, en tout cas. Donc, voilà. Donc, tu me diras si c'est juste une petite attention comme ça, une petite carte que tu m'as envoyée, ou si c'est la participation pour mon concours. Voilà. Donc, bah, les filles, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait très, très plaisir. Je vous fais une petite info. Je n'ai pas montré les lots à gagner. Il y aura bon, quelques petites créas à moi, bien sûr. Mais je crois que je vais vous faire un lot que je vais acheter dans une boutique pour vous faire un petit album. J'avais envie plutôt de faire ça cette année. Un peu en manque de temps. Comme avec le travail, tout ça, c'est pas évident en ce moment. J'ai un peu en manque de temps pour faire des créations. Donc, je pense plutôt vous offrir du papier, des die-cuts, voilà. Pour vous faire un mini-album, voilà. Donc, voilà, c'était la petite info supplémentaire. Donc, voilà, donc la vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.